Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une vidéo que je n'ai jamais faite. Juste pour dire, ça fait plaisir de retrouver ce décor, j'avais un peu envie de changer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement vous proposer des idées de tenues comme si j'avais toute une journée devant moi et je faisais que sortir et j'avais toutes mes affaires à côté de moi. Genre, en gros, je peux changer de tenue à n'importe quel moment de la journée parce qu'en été, on sait tous qu'on a chaud rapidement. Et donc, perso, si je pouvais me changer 4-5 fois, je le ferais. En plus, je transpire archi rapidement. C'est dégueulasse. Je mouille mes vêtements. J'ai des auréoles. C'est moche. Parce qu'on a beau être là, les auréoles, c'est naturel, etc. Tout le monde en a. Il fait chaud, nanana. Moi, ça me dégoûte chez les autres et ça me dégoûte encore plus chez moi. Donc, je ne supporte pas. Si je pouvais, je changerais de vêtements tout le temps. Donc on va supposer que c'est le matin. Je trouve qu'en été c'est le meilleur moment, tu vois, la matinée, il fait un peu frais, il fait chaud mais pas trop, tu vois, c'est frais, il y a de l'air respirable. Donc tu peux quand même te permettre de prendre un short parce qu'il fait chaud tôt, le soleil est haut tôt, donc un petit short ça passe. Par contre avec un petit sweat à manches longues sur le dessus, tu vois, c'est propre, c'est simple, mais ça rend bien. J'ai mis un petit ensemble vert, peut-être que je me suis trompé sur la paire à prendre parce que c'est une grosse paire, tu vois, ça donne chaud rapidement. Mais comme c'est le matin, on va dire qu'on peut se permettre. Il fait frais, donc c'est supportable. Après, très rapidement, les températures commencent à monter. Tu peux plus te permettre de prendre un sweat à manches longues. Directement, tu es obligé de passer au t-shirt avec un short. Et moi, en fait, comme je suis un mec qui transpire rapidement, qui a des auréoles très rapidement, ça me dégoûte. J'ai vraiment un corps bizarre. Je préfère mettre du noir parce que le noir, ça ne montre pas les auréoles, ça ne montre pas les traces de transpi. Donc, on part sur du noir sur le haut et le bas, mais quand même avec des sneakers dynamiques. Tu vois, tu es obligé de donner une petite touche de couleur quand même. On en était, faut pas oublier ça. Donc, même si tu prends sur toi à ne pas porter des couleurs sur ton outfit, tu peux un peu te lâcher sur les sneakers. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve le résultat vraiment carré. Tu t'es changé aller à 11h, tu vas rester comme ça jusqu'à peu près 15-16h, quand c'est vraiment plus supportable, quand ton odeur de transpi, là, tu la supportes plus. Mais heureusement que tu as tous tes vêtements à disposition, donc tu vas directement te changer, toujours un ensemble short, hein. Tu peux pas te permettre autre chose à l'heure actuelle. Il fait chaud, le soleil tape, 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 t'as trop chaud. Mais tu veux quand même être frais, donc tu veux mettre un truc de couleur, donc là tu peux te permettre le petit ensemble short à couleur. Si j'ai mis les paires de Sakai pour les deux ensembles short, c'est tout simplement parce que je vais pas me permettre une paire de chaussures qui est autre qu'une paire basse et légère, tu vois. La Sakai, ça laisse respirer le pied, c'est pratique. Tu peux pas par exemple te permettre une paire de sneakers montante comme les Jordan 1 mid ou high. Les low à la rigueur ça passe, mais les autres c'est pas possible. Donc tu restes sur les paires basses, ce sera carré. T'arrives vers 19-20h, t'as bien kiffé ta journée avec ou sans tes potes, c'est comme tu veux. Mais le soir t'as quand même envie de manger avec tes potes obligatoirement, tu vois. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre une petite chemise pour paraître habillé, mais pas non plus trop. Faut pas en faire trop, jamais trop. Donc tu mets une petite chemise à manches courtes, un peu entrouvert, tu vois, c'est l'été, tu profites. Et là il fait un peu plus frais. On est le soir, donc tu peux te permettre un jean. Après là c'est au goût de tout le monde. Hein. Y en a qui mettra un cargo, il y en a qui mettra un jean large. Moi j'ai mis un jean skinny parce que je trouve que ça me va bien. Tu mets ce que tu veux du moment que tu te sens à l'aise. Et il faut paraître un tout petit peu habillé parce que tu sors quand même. Tu vas dans un resto, faut être un peu présentable, mais pas trop non plus. Surtout pas montrer que tu vas en faire trop. Donc ça fait toujours son effet, surtout si t'es un gars comme moi qui n'a l'habitude de porter que des joggings, tu vois, des pantalons vraiment street, des hauts street, des sweats à capuche, des sweats même sans capuche, ça fait street. Quand tu mets la petite chemisette, t'auras toujours au moins une personne qui va te dire ah il a fait un effort. Mais tu restes avec la petite paire de sneakers, faut pas abuser non plus, tu fais un peu d'effort, mais pas trop. Je t'ai dit, il faut pas en faire trop. Donc tu kiffes ta soirée, etc. T'as bien mangé, nanana. Après t'arrives vers 23h, on va dire qu'il fait encore un peu plus frais, donc tu peux te permettre de mettre une petite veste au-dessus parce qu'il faut pas attraper froid. Moi j'ai mis une petite veste en jean, c'est carré, je trouve que ça rend plutôt bien avec la tenue. C'est frais, c'est léger, c'est estival, c'est cool. Sans prise de tête, franchement la veste en jean ça va avec plein d'outfits. Tu mets cette petite veste en jean, tu changes pas ta tenue d'avant, tu te prends pas la tête, ça passe crème. Et enfin là c'est bon, on est bien tard dans la nuit, on est même début matin, on va dire qu'il est 4h du mat, t'as bien fait la fête, etc. On va dire que t'as passé ta soirée en boîte, bon pour rentrer. C'est un peu compliqué parce qu'il fait plus froid. On est vraiment le début, le petit matin. T'as capté entre la nuit et le matin, c'est là où il fait vraiment le plus frais. Donc tu peux te permettre de mettre que du long. Et je sais pas pour vous, mais moi quand il fait vraiment tout noir, j'aime bien m'habiller en tout noir pour vraiment faire... un peu bizarre, mais l'effet silhouette, genre qu'on voit pas ma tête parce que déjà je suis noir, on verra pas ma tête dans le noir, c'est cool. Et le reste tout en noir pour que vraiment être full dark, je sais pas, c'est un délire, je kiffe. Bon par contre pas tout noir, t'as quand même les sneakers qui se démarquent, c'est un peu, un tout petit peu coloré, je sais quand même qui je suis. Donc je serais pas en accord avec moi-même si je mettais vraiment tout noir. Donc un peu de couleur avec les sneakers, c'est carré. Et après tu peux rentrer et enfin dormir. Voilà les gens, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un concept que j'avais envie de faire, je sais pas pourquoi. Je sais même pas d'où il me sort, j'ai eu cette idée comme ça, j'avais envie de montrer des outfits, donc voilà. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, ça me ferait archi plaisir. Mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait archi plaisir. N'hésitez pas à partager, à commenter pour qu'on grossisse et à me rejoindre sur Insta, je vous montre encore plus d'outfits. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss.